déjà rêvé. Je compte les cadeaux de l'amour, c'était pour les plus grands. Après les poussées à tout. Ce façon, j'ai bien entendu les cadeaux. Et tous les demandés bien innocents. Oui, puis qu'à l'aller, tout est qu'un sourire, ouais. Ça m'a déjà cherché, c'est déjà l'homme. T'es préféré quand le bleu s'envoie. Soleil de coucher pour tomber sans rencontrer. Au festival Histoire et qui va remporter un grand succès. Un petit coucou à Jessie qui est parmi nous. Un petit coucou à Jessie du ballet Pomme Cannelle. Voilà, c'est le monde de la culture martiniquaise qui est ici rassemblé aujourd'hui. Nous allons poursuivre et accueillir cette deuxième partie, toujours dans le traditionnel. Deuxième partie, les candidates à l'élection de la reine qui vont nous venir en tenue, en grande robe de cérémonie, bien entendu, qui vont évoluer sur une valse interprétée par nos musiciens. On va vérifier si toutes les communes sont toujours présentes. Est-ce que vous reverrez là? Tu veux bien 150, tu m'as dit. C'est quoi que tu as dit? Rivière Sale, est-ce que vous êtes là? C'est quoi? Rivière Sale, est-ce que vous êtes là? On fait du mieux qu'on peut. Les anciens, est-ce que vous êtes là? Le Fontenay, est-ce que vous êtes là? Ça va, je vous ai vu. Je vous ai vu. C'est plus, est-ce que vous êtes là? C'est bon, je vous ai vu. Oui, nous allons accueillir la première candidate. Elle est âgée de 17 ans. Elle se prénomme Cindy. Elle vient de la ville du Robert. Le sein d'usage, bien entendu. Et là, nous sommes dans une autre catégorie, messieurs, là, puisque les gestes sont délicats. Une démarche délicate. Un port bien droit. Un sourire toujours aussi ravageur. Ce regard de la femme fière de sa condition. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour accueillir Cindy qui nous vient du Robert. Mmh.
festival. Et cette façon de lâcher la robe, messieurs dames, et le sale usage pour les bancs du jeu, évidemment. Notre-Dame porte. Et voyez cette façon également de ramasser la robe et de vous proposer en notre forme des applaudissements, s'il vous plaît, pour Cindy. Cindy qui porte à la tête une chaudière calandine ornée de trois choux avec une épingle tremblante, avec une mèche de cheveux de son mari regretté, deux barrettes de côté, deux fourches enchaînées. Elle porte au cou un collier maille gourmette, deux rangées de corsas, un gros ciseau, une chaîne de peau, un sautoir de 1m50 avec médaillon, un sautoir de 1m50 prononcé côté cœur avec la cassonnette, aux oreilles détendues, au bras deux bracelets en bonheur, deux bracelets gourmettes, un bracelet esclave, un bracelet torsadé, un jambis, deux jambes torsadées, au doigt. À la lunaire, une alliance, à l'index, une bague porte-bonheur avec pierre rouge. Sa magnifique robe est en satin broché à fond noir, ornée de feuillage doré, effleurée à la taille avec une broche et au buste avec tête et graisse. Elle porte une collerette. Voyez cette façon de lâcher la robe, messieurs dames. Pour vous présenter sa magnifique tenue, un jupon orné de broderie or assorti à son jupon à trois volants. Au pied, elle a des bas de couleur noire, une paire d'escarpins noires, en accessoire un sac plissé noir, une paire de gants noirs et un éventail noir. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour Cindy. Et cette façon de ramasser la robe. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour la raccompagner. Le salut d'usage pour les membres du jury. Cindy, 17 ans, qui nous vient du Robert. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour la raccompagner. Cindy, notre première candidate à l'élection de la reine. Magnifique, des applaudissements pour Kakodou, s'il vous plaît. Ça, c'est musique nous-mêmes. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a des jeunes qui portent les numéros. Ce sont tout simplement les majorettes, les étoiles du gaucher. Quand je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît. J'ai l'esprit. Et effectivement, les étoiles du gaucher qui deviennent du diamant. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième candidate. Elle est âgée de 15 ans. Elle se prénomme Marcé, elle est âgée de 15 ans, elle vient tout droit de la ville de Rivière-Salée. Elle va évoluer sur une piquine, une valse, autant pour moi. Je me laisse emporter. La voici, la voilà qui s'avance vers nous. Délicatement, des applaudissements s'il vous plaît pour l'accueillir.
passer. C'est un usage pour les musiciens. C'est une démarche délicate. En prenant son temps, est appréciée. C'est moi la plus belle, c'est aussi simple que ça. Marcé, des applaudissements encore pour elle, s'il vous plaît, Marcé, de Richardson. Le petit sale d'usage également pour le monde du jury. Marcé, c'est cette belle dame qui porte à la tête une chaudière calendée, une épée tremblante, deux barrettes, deux épées enchaînées. Au cou, elle a une chaîne torsadée. Un gros ciseau avec la soulette. Elle portera un jonc, deux gourmettes, un bracelet en couleur et un bracelet esclave. Regarde-moi cette dame lâcher délicatement sa belle robe. Une robe à fond noir en satin broché qu'elle nous présente délicatement. Et cette façon de ramasser la robe et vous proposer un nouveau port. Elle porte au doigt une alliance et une bague à pierre. Elle a une collerette rouge assortie au jupon, rouge plissé en satin. Au pied, Marcé a des barfils d'Écosse et des chaussures à talons. Des chaussures à talons noirs, bien entendu. Elle a en accessoire un sac à main assorti à ses chaussures, un éventail, des gants noirs. Des applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Merci. Et remarquez bien cette façon de décoller. Il n'a rien à voir avec la Matador. Cette femme est fière de sa condition, je vous l'ai dit. Elle porte sa tenue avec fierté, elle est fière de ce qu'elle représente. Une femme travailleuse, une femme charmante, une femme respectée, respectable. Marcé, sous vos applaudissements. Je viens de la ville de Rivière-Salée, venue avec délicatesse, magnifique sourire, regard profond. Applaudissements s'il vous plaît, Marcé, qui nous vient de la ville de Rivière-Salée. Marcé. À l'élection de la reine entre les traditionnels. Elle est âgée de 16 ans, elle se prénomme Lélie. Lélie, elle nous vient tout droit de la ville des... Vous êtes posé au Bénin.
de la ville des Ossardes. Troisième candidate à l'élection de la reine, Lady, 16 ans. Regardez cette démarche, cette façon de se tenir, ce port, ce regard, et cette façon particulière de tenir l'éventail, bien entendu, rien de laisser au hasard, messieurs, dames. Il fallait plaire, il fallait séduire, il faut plaire, il faut séduire. C'est ça le port de la femme martiniquaise, le sale usage. Elle aura pas également de saluer les musiciens. Des applaudissements pour Lady, s'il vous plaît. Lady, c'est cette belle dame qui, avec beaucoup de grâce, beaucoup de douceur, se présente à vous en portant à la tête une tête calandée, jaune et bordeaux, puis épingle tombante de la reine de côté, des épingles enchaînées. Elle a au cou une chaîne d'or salé, un sautoir de 1m50, une petite chaîne, une chaîne de 2m avec cassonnette. Aux oreilles, cette dame qui lâche délicatement sa robe, porte des pompilles rares. Elle a au bras un bracelet plein de jambes et gourmettes, au doigt une alliance, une bague royale. Sa robe est brochée, argentée au diamant, agrémentée de deux broches. Elle porte une collerette en satin et dentelle dorée, un jupon satin plissé doré, au pied. Cette dame qui ramasse sa robe avec délicatesse, porte des bas en fil d'Écosse. Elle a un sac noir, des gants noirs, un éventail en dentelle. Et voyez cette façon de tenir la robe, messieurs dames. Des applaudissements pour Lady, s'il vous plaît. Lady, où la douceur personnifiée. Encore des applaudissements pour elle, s'il vous plaît, Lady, qui se présente à vous tout en douceur. Et qu'on va raccompagner avec des applaudissements, s'il vous plaît. Lady, qui le vient tout droit de la ville des Ossardes. Lady, sous un applaudissement.
la ville et les Osterlènes. Avec sa plus magnifique grande de cérémonie. Des applaudissements également pour le ballet Kakodou, s'il vous plaît. Et ne commencez pas. Nous allons accueillir notre quatrième candidate. Alors bien sûr, si vous avez une petite soif, vous avez une buvette à votre disposition, n'hésitez pas. Vous pouvez vous y rendre et vous allez trouver de quoi vous désaltérer, bien entendu. Notre quatrième candidate, elle est âgée de 18 ans. Elle se prénomme Syria. J'ai ma fille. Elle vient de la ville du Vauclin. Elle est venue sur une valse, bien entendu. La voici. La voilà. Le sale usage fait avec beaucoup de style, beaucoup de façon également. Du grand douceur, monsieur. Ce sourire, ce porte-tête, cette démarche soignée, le salut pour les musiciens, la douceur personnifiée, la délicatesse même. Des applaudissements pour Syria, s'il vous plaît. Ne voyez pas de gestes brusques. Six petits pas en arrière. Avant de vous saluer, messieurs dames, des applaudissements encore pour elle, s'il vous plaît. Syria. C'est cette dame qui porte une magnifique robe de cérémonie avec à la tête deux barrettes de beauté, une épée tremblante rehaussée d'une mèche de cheveux, deux fourches enchaînées. Au cou, elle a trois rangées de forçats, une chef de peau, un gros silo, deux sautoirs de 2,50 m, dont belle remontée côté cœur, une chaîne maille cordon. Elle a aux oreilles des pampilles, au bras, deux roulettes, trois jambes, un bracelet esclave, un bracelet de boule, au doigt, une baguette de pierre de couleur portée à l'index droit, une alliance, et regardez avec quelle délicatesse madame va lâcher sa magnifique robe en velours pailleté avec des fleurs couleur or à fond noir. Cette dame a au doigt une bague de pierre de couleur portée à l'alliance droite, une alliance, un jupon à trois volants vissés assorti à sa collerette, des escarpins noirs, des bas en fil d'écosse, un éventail noir, des gants noirs, un sac noir et cette façon de ramasser la robe avec délicatesse. Des applaudissements s'il vous plaît pour Syria. Qui nous propose une autre façon de porter la robe, de tenir, bien entendu, et toujours avec autant de délicatesse, autant de douceur. S'il y a ce d'applaudissements qui nous vient de la ville du Vauclin.
Zipou Mambel, les applaudissements pour Kakodou, s'il vous plaît. Ça suffit. Et les vigiles. C'est bien, c'est bien. Ça nous a manqué, ça nous a manqué. Vous m'avez manqué, cher public. On poursuit et nous allons accueillir notre cinquième candidate. Elle est âgée de 16 ans. Elle se prénomme Chlorane. Elle se prénomme Chlorane. Elle nous vient de la ville de C'est plus. Simplement notre corps, messieurs dames.
gestuelle délicate. Nous allons retrouver toutes les autres candidates pour la parade finale, bien sûr. Vigile. Nous allons retrouver toutes les candidates, bien sûr, pour la parade finale. Pour notre plus grand plaisir. Et oui, cette ambiance-là nous a manqué, effectivement. En tout cas, on a plaisir à vous retrouver, cher public. Bien sûr, le prix est à payer et qu'il fallait organiser un milieu ouvert. Et puis, il y a pas de mais nous, là, quand même, nous doutons. Nous n'avons pas de foi. Nous sommes des résilients. Alors, on poursuit et nous allons accueillir toutes les candidates sous vos applaudissements, bien entendu. La première candidate, elle nous vient tout droit de la ville du Robert, messieurs, dames. Pour rappel, elle se prénomme Cindy. Cindy, le Robert. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour l'accueillir. La deuxième candidate, elle nous vient de la ville de Ria-Salé, Marseille. 15 ans, Marseille, vient de Ria-Salé. En trois, nous avons Lenny, 16 ans, qui nous vient de la ville des Anse-l'Arlet. Elle vient tout droit de la ville du Vauclin, Cilia. Et en 5, bien entendu, elle vient de la ville de Saint-Plus, Florale. Messieurs, dames, pour un titre convoité de reine du carnaval sud-martinique. Faites votre choix en 1, Cindy Robert. En 2, Marcel de Ria-Salé. En 3, Lenny des Anse-l'Arlet. En 4, Cilia du Vauclin. De Célius. Je veux vous entendre crier leur mort, s'il vous plaît. Je veux vous entendre les appeler, s'il vous plaît. Cindy en 1, Marseille en 2, Lenny en 3, Cindy en 4, Florent en 5. Maximum de bruit pour les candidats, s'il vous plaît.
Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le magnifique tenue porté par des filles extraordinaires qui nous proposent un spectacle à couper le souffle cet après-midi. Merci mesdemoiselles. Merci pour tant de beauté, pour tant de douceur, pour tant de magnificence, j'ai envie de dire. Merci mesdemoiselles. Des applaudissements s'il vous plaît pour les accompagner. S'il vous plaît. Nous allons enchaîner tout de suite à accueillir les majorettes de la ville du Diamant, les étoiles du Rocher, pour un spectacle de tautologie, j'ai envie de dire. Les étoiles du Rocher, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les étoiles du Rocher. Applaudissements s'il vous plaît pour accueillir les majorettes de la ville du Diamant, les étoiles du Rocher. Thank you.
un tonnerre d'applaudissement pour ces jeunes, s'il vous plaît. Alors, l'histoire est magnifique. L'histoire est magnifique et on sort d'un tsunami au niveau des yeux. Ce sont des jeunes qui se sont constitués en groupe il y a seulement 2 semaines, messieurs, dames. Seulement 2 semaines. Et nous disons qu'on a un tsunami au niveau des yeux parce qu'on a toujours tendance à pointer du doigt notre jeunesse, mais qui s'engage dans le monde associatif pour faire des choses extraordinaires. Ils se sont constitués il y a 2 semaines tout juste en groupe. Ils répètent tout seuls, sans l'aide des grands. Bah, yon belle maman, s'il vous plaît. Pas essayer ça, le papier. Va y, je n'espère y'a. Va y, dis fort. On va poursuivre notre élection. Le programme